Alors, dans ce document, on va aborder l'archivage et la compression des fichiers et des dossiers sous Linux. Donc, c'est un cours qui est vaguement inspiré d'un cours précédent qui se donne depuis des temps immémoriaux. Comme vous pouvez voir, il y a un paquet de profs qui ont déjà passé dessus, mais j'avoue que j'ai quand même placé mon empreinte sur ce diaporama que je vais vous présenter. Donc d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque plateforme, pour une raison ou une autre, a évolué comme un écosystème différent avec ses propres technologies. Okay? Donc, pour effectuer des opérations typiques, c'est-à-dire, bon, là, je m'excuse, j'ai été déconcentré par... je devrais arrêter ça ici à côté. Mais bon, donc... des opérations typiques. Et l'archivage et la compression des fichiers fait partie de cette catégorie d'outils qui ont évolué dans des environnements différents. Par exemple, si on voit les opérations, on peut voir ici certaines opérations qu'on effectue couramment dans différents types d'environnements. Donc, on a l'environnement Windows, l'environnement Linux, Unix et l'environnement Mac. Donc, si vous voulez gérer des packages dans Windows, vous allez utiliser Chocolaté. En fait, c'est très rare que les gens vont utiliser ça. Les gens vont utiliser le Windows Store. Ils vont carrément installer des choses, tout simplement. Sur Linux, Unix, en général, les gens vont utiliser apt ou apt-get ou son équivalent, dépendamment de la distro. Okay? Et sur Mac, les gens peuvent utiliser Homebrew s'ils veulent. L'éditeur de texte de base, dans Windows, vous avez Notepad, Notepad++. Dans Linux et Unix, vous avez VI, Vim, Emacs, Nano. Et dans Mac, vous avez TextMate. Donc, c'est comme des éditeurs qui sont tout le temps là, mais ce n'est pas les mêmes d'une machine à l'autre. La ligne de commande typique dans Windows, c'est CMD, PowerShell. Dans Linux et Unix, c'est Bash. Puis dans Mac, c'est ZSH, qui est ça ressemble à Bash, mais c'est pas tout à fait pareil. En fait, c'est légèrement meilleur que Bash. Ensuite, pour archiver, dans Windows, vous avez Zip, vous avez RAR, puis vous avez 7-Zip. Dans Linux et Unix, vous avez TAR, vous avez GZIP, vous avez BZIP2. Et dans Mac, vous avez Zip, qui aussi est natif. Mais il y en avait d'autres avant dans Mac, mais je ne me rappelle plus, mais ça date des temps immémoriaux, là, il y a 30 ans. Dans Mac, il fallait utiliser une autre façon d'archiver. Mais ça m'est sorti de la tête depuis ce temps-là. Puis on s'en sert plus, donc. Donc, la première chose qu'il faut saisir en ce qui concerne l'archivage dans Linux, c'est que contrairement au monde Windows puis Mac, où l'archivage et la compression sont indissociables l'un de l'autre, c'est des opérations qui se font toujours ensemble. Dans Unix, Linux, ces opérations-là sont des opérations distinctes. Vous avez une activité d'archivage, puis vous avez une activité de compression, puis les deux sont distinctes l'une de l'autre. Donc, c'est fidèle à la devise, si on veut, de Unix, que chaque commande fait une chose et le fait très bien, et chaque commande se spécialise à faire une chose. Ce qui permet après ça de combiner les commandes pour faire plusieurs choses. Donc, c'est la fameuse philosophie Unix. Donc, l'archivage, c'est quoi? L'archivage, c'est prendre plusieurs fichiers et dossiers et les regrouper dans un seul fichier. Okay? Le fichier d'archivage. Donc, la taille de l'archive est supérieure à la taille des fichiers qui sont contenus dans l'archive, dans ce cas-là. Donc, sur Unix, la commande typique d'archivage, c'est tar. Okay? Tar pour tape. Archiver ou archiveur de ruban, si on veut, parce que c'est une commande qui date du temps où les données étaient enregistrées sur des rubans. Ensuite de ça, vous avez la commande, mais là, on s'entend que tar fonctionne avec des fichiers normaux. En fait, elle fonctionne avec n'importe quel fichier. Ensuite de ça, vous avez des commandes pour comprimer. Okay? Donc, sur Unix, la compression s'effectue sur un seul fichier. Donc, typiquement, en fait, c'est un fichier qui a été archivé avec tar. Donc, vous avez pris tar, vous avez pris un paquet de fichiers, vous les avez archivés pour faire un seul fichier, puis après ça, vous comprimez ce fichier-là.
Puis le logiciel typique de compression, c'est gzip pour GNU Zip. Vous avez donc deux commandes qui rentrent en ligne de compte. Vous avez la commande tar et la commande gzip. Donc on va voir un peu comment ça fonctionne. Donc ici, la commande tar. D'abord, la commande tar-c permet de créer une archive. Donc c'est pour créer. Donc, comme je l'explique ici, en fait, je l'ai déjà expliqué avant, c'est qu'il faut comprendre que tar et gzip ensemble font la même chose qu'un programme comme WinRAR ou 7-Zip ou WinZip ferait dans Windows. Donc, les trois, par exemple, si vous voulez créer une nouvelle archive, vous allez faire tar-cvf travaux.tar, ça c'est le nom de votre archive, par exemple, puis vous allez ensuite de ça lister l'ensemble des fichiers que vous voulez mettre dans votre archive. Évidemment, si vous mettez étoile, bien, ça va prendre tout ce qu'il y a dans le dossier local, puis ça va l'envoyer dans l'archive. Donc, C dit de créer une nouvelle archive, V dit d'être en mode verbose, et F permet de définir le nom du fichier qui va contenir l'archive. Sinon, ça va être un fichier par défaut. Travaux.tar, c'est le nom de l'archive et les fichiers. Donc, on va faire ici un petit exemple. Donc, par exemple, ici, on prend... Dans le dossier script, on veut archiver tous les scripts. Donc, on va faire tar-cvf script.tar, ça c'est le nom de notre archive, et on va mettre dedans tous les étoiles.sh, donc tous les fichiers de script. Fait que là, vu que c'est verbose, il va nous dire c'est quoi qu'il a mis dans l'archive. Donc là, il a mis arborescence 1, arborescence 2, bonjour, jour bon, supprimer arborescence. Il a pris tout ça, puis il a mis ça dans script. Pointer. Donc, si après ça, on s'amuse à faire un ls, on va voir qu'il y a seulement les fichiers .sh qui ont été mis dans l'archive et on voit ici qu'il y a le script.tar qui a été rajouté comme fichier d'archive. C'est un seul fichier et on voit que le 10240 octets est bien supérieur à la somme de 448, 358, 68, 40 et 59. Donc, vous faites la somme de tout ça, ça donne après à peine 1000. Mais lui, il est à 10 000. Fait qu'il a multiplié par 10. OK, donc, gaspillage. Fait que c'est sûr que ce n'est pas une bonne façon de stocker de l'information. Si vous utilisez tar-t, ça va vous permettre de lister le contenu de l'archive. Donc, si vous faites, par exemple, tar-tvf, script.tar, vous voyez que ça va afficher le contenu de l'archive. Là, on voit qu'on a une certaine information par rapport au read, write, execute, les permissions associées à chacun des fichiers. Puis on a les dates, l'heure, etc. Et après ça, si on fait un tiret L étoile.sh, on va afficher une fois que. Si on regarde localement, on voit l'information aussi associée à nos étoiles.sh. On voit que c'est la même information, en fait, qui se retrouve dans l'un et dans l'autre. Ensuite de ça, vous avez la commande tar-x pour faire une extraction. Donc, par exemple, supposons qu'on supprime tous les fichiers script ici, rm-étoile.sh. Après ça, on liste qu'est-ce qui reste. Il reste la racine, opération.txt, script.tar. Il reste notre archive. Donc ici, on va faire tar-xvf, donc extract, pour extraire les fichiers de l'archive, script.tar. Fait que là, vu que c'est mode verbose, il nous affiche tout ce qu'on a ici. Et finalement, on voit qu'en faisant ls, on voit qu'on a récupéré tous nos fichiers. Ensuite de ça, prenons gunzip. Donc, gzip, c'est-à-dire pas gunzip, mais gzip. Donc, la commande gzip sert à zipper un fichier Unix Linux. Donc, typiquement, ce fichier va être une archive. Et le fichier d'origine est remplacé par sa version compressée avec l'extension .gz. Donc, thank you.
Ici, on utilise la commande stat, qui est une commande pour afficher une espèce de ls, mais qui permet d'afficher certaines statistiques particulières pour les fichiers. Donc, ce qu'on veut en fait afficher ici, c'est la taille des différents fichiers. Donc, ici, on a la taille et les différents fichiers. Puis, on voit qu'on a le script pointer. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire gzip script pointer. On a juste à faire ça. Et le script pointer va être converti en script pointer.gz. Et sa taille va passer de 10240 octets à 508 octets. C'est pas rien. Pour dézipper, on peut utiliser la commande gunzip ou gunzip. Donc, il va permettre de décompresser. Donc, ici, par exemple, on part de notre script.pointer.gz et on fait gunzip ou gunzip script.pointer.gz et on obtient notre fichier script.pointer qui retrouve sa taille de 10240 octets. Mais évidemment, le monde Unix a fini par comprendre que souvent, les gens veulent faire les deux commandes en même temps. Donc, on a décidé d'ajouter la capacité de zipper dans la commande tar elle-même. Donc, pour zipper, ce qu'il faut faire, c'est utiliser Z, le commutateur Z. Donc, en utilisant le C avec le Z, on va créer une archive, puis on va la zipper en même temps. Okay. Donc, par exemple, ici, si on fait tar czvf, donc le F, c'est pour spécifier le nom du fichier. Le V, c'est pour être verbose. Après ça, le C, c'est pour créer, puis le Z, c'est pour zipper. Donc là, on prend tout ça et on va créer, ensuite de ça, un fichier ici, script.pointer.gz, qui va être notre archive. Donc ça, c'est vraiment l'équivalent du zip qu'on a dans Windows, par exemple. Et "-xz", ça permet de décompresser et de désarchiver dans la même commande. Donc, par exemple, si on supprime tous nos scripts, après ça, on fait ls-l, on voit ce qui nous reste. On a notre archive ici. Et on fait tar-xzvf. Donc, x pour extraire, z pour dézipper, v pour être verbose, f pour spécifier le nom du fichier. Et on va récupérer, ça, c'est ce qui a été en mode verbose, et on a récupéré tous ces fichiers-là, comme on peut le voir ici en dessous. On va parler maintenant du taux de compression. Donc, le taux de compression d'un fichier, c'est donné par la formule suivante. La taille des archivés moins la taille archivée divisé par la taille des archivés. Par exemple, si on prend le script pointer qu'on a ici, on a 10240, ça c'est la taille des archivés, et la taille archivée ici, c'est 508. Donc, si on veut savoir son taux de compression, ça va donner 10240 moins 508 divisé par 10240, ce qui va donner environ 95%. Donc, le fichier a été compressé à 95%, ce qui est excellent. Alors, le taux de compression va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, un taux de compression de 95%, comme on vient de le dire, c'est vraiment bon, pour ne pas dire exceptionnellement bon. Okay. Mais en réalité, c'est rare qu'on va atteindre un tel degré de compression. Donc, le taux de compression va dépendre de deux facteurs, pourrait-on dire, le deuxième étant plus significatif que le premier. D'abord, ça va dépendre de l'algorithme qui va être utilisé pour effectuer la compression, parce qu'il y a plusieurs algorithmes différents. Là, ici, je mets des formats, puis les formats puis les algorithmes, ce n'est pas exactement la même chose, mais ça donne quand même une idée. Okay? Donc, le format, l'algorithme ZIP, l'algorithme GZIP, l'algorithme 7ZIP, l'algorithme RAR, etc. Ça va aussi dépendre du degré de chaos qui est présent dans les données qui doivent être compressées. Donc, plus les données sont chaotiques, irrégulières, plus c'est difficile de compresser. Quand le chaos est trop grand, par exemple, quand le fichier à compresser est lui-même déjà compressé, alors le fichier que vous allez recompresser devient souvent bien plus grand que le fichier d'origine et le taux de compression peut devenir négatif, ce qui alors n'est pas du tout avantageux. Alors, on va faire un petit exemple. Ici, on va compresser un fichier JPEG. Donc, il faut savoir que le format JPEG est déjà un format compressé en soi. Donc, le taux de compression attendu devrait être assez faible. Donc, on prend par exemple ici un fichier .goin.jpeg.
qui est cette petite image-là, en fait, un beau petit pingouin, et qui a une taille de 5844 octets. Et on va la zipper avec Gunzip, avec Gzip, pardon. Et alors, on va obtenir le pingouin.jpeg.gz et la taille va passer à 5523 pour un taux de compression de 5844 moins 5523 divisé par 5844, ce qui donne 5,5%. Donc, très peu de compression. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que ça ne sert à rien de compresser des JPEG. OK, c'est ce que ça veut dire. Donc, autre chose, ici, on voit à la ligne 124, on essaye de compresser un fichier qui est déjà compressé. Alors, lui, il nous dit que le fichier en question déjà a le suffixe .gz. Donc, il a décidé de rien faire dessus parce qu'il ne compressera pas un fichier qui est déjà compressé. Donc, ce qu'on peut faire pour s'amuser, c'est qu'on peut modifier son nom. Donc, on peut changer pingouin.jpeg.gz pour pingouin.jpeg.bin. Alors, si on modifie son nom, après ça, Gzip va accepter de le compresser. Donc, on va compresser un fichier qui est déjà compressé. Donc, en le compressant déjà, on va obtenir une taille de 5563. Et ce qu'on va s'apercevoir, c'est que la taille avant, c'était 5523. Et la taille après, c'est 5563. Donc, en compressant un fichier qui est déjà compressé, on obtient une taille qui est encore plus grande. Donc, ça ne sert strictement à rien de faire ça. Alors, le taux de compression devient négatif à moins 0,7% parce que le fichier a pris de l'expansion. Donc, si on veut pouvoir comparer des algorithmes de compression entre eux, il faut comparer des pommes avec des pommes puis des oranges avec des oranges. Donc, même si Gzip permet de compresser script.tar avec un taux de 95%, sa performance réelle, si on la compare au fichier d'origine, donc les scripts.étoile.sh, est moindre. Donc, si on fait la taille totale des scripts.sh qu'on a ici, celui-là, 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 plus celui-là, on fait la somme ici, on va obtenir 993 octets. Si après ça, on regarde la taille de script.tar.gz, on a 508. Donc, notre taux de compression effectif par rapport au fichier d'origine et non pas à l'archive .tar qui, elle, fait comme expansionner les choses un peu trop, notre taux de compression effectif est en réalité de 49%. Ce qui vaut la peine, mais on n'est pas à 95%. Donc, on va voir un peu maintenant comment on aurait pu calculer le fameux, ici, le 993. Donc, on peut utiliser pour ça la commande 4. Okay. Donc, si on prend la commande 4, ça va afficher un script. Puis, si on prend la commande 4 de jourbon.sh, ça va afficher le contenu de ce script-là. Mais si on fait 4 bonjour.sh, jourbon.sh, ça va afficher les deux. Donc, ça va concaténer les deux, ça va les regrouper ensemble. Ce qui nous amène à la commande WC, Word Count. Donc, la commande WC permet de... Donc, WC, c'est Word Count et non pas les petits besoins. Donc, ça permet de compter les lignes, les mots et les caractères dans un fichier texte. Donc, ici, on a l'exemple, par exemple. Donc, on voit ici que si on voit jourbon.sh, on voit qu'on a 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5... On voit le contenu de chacune des lignes. Si après ça, on fait un word count de jourbon.sh, il va nous sortir 5, 10, 60 jourbon.sh. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Ça veut dire qu'il y a 5 lignes dans mon fichier jourbon.sh, qu'il y a 10 mots dans mon fichier jourbon.sh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, ici, il y en a 2. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Les mots, c'est n'importe quoi séparé par des espaces. Okay? C'est pas important pour lui, est-ce que le mot, comme ici, ça compte pour un mot, même si c'est juste un croisillon et il n'y a pas de lettre dedans. Okay? Donc, il y a 10 mots, il y a 5 lignes puis il y a 60 caractères. Si vous voulez vous les compter pour vous assurer qu'il y en a bien 60. Okay? Ça se pourrait qu'il compte les fins de ligne aussi là-dedans.
En fait, il compte probablement les fins de ligne là-dedans. Donc, si on veut obtenir séparément le nombre de lignes, le nombre de mots et le nombre de caractères, on peut utiliser le commutateur-L ou l'option-L pour le nombre de lignes, 5, le commutateur-W pour le nombre de mots, word, ou le nombre de caractères avec -C. Donc, comment on ferait maintenant pour calculer la taille d'un groupe de fichiers? Par exemple, si on veut calculer la taille de tous nos scripts, ben, on peut faire, par exemple, un cat-étoile.sh. Ça va regrouper ensemble tous nos scripts. Et après ça, on fait un word count pour savoir il y a combien de lignes, combien de mots et combien de caractères. Donc, on voit qu'on a 993 caractères, 120 mots et 40 lignes. Donc, pour calculer le taux effectif de compression, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer par voir la taille de notre fichier zippé, ou gzippé. On voit que c'est 508 ici. Après ça, on peut faire un cat-étoile.sh word count pour voir qu'on a 993. Et après ça, on peut demander à Python de nous faire un calcul. On aurait pu aussi utiliser la commande echo pour ça. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai décidé d'utiliser Python ici, mais bon, ça me tentait probablement d'utiliser Python. Donc, on utilise Python. Il doit y avoir une raison là, pourquoi j'ai utilisé ça. On utilise Python avec -C et pour exécuter la commande qu'on voit ici, donc print 993 moins 508 divisé par 993. OK, en fait, c'est parce que je voulais mettre des parenthèses. C'est pour ça que ouais, peut-être ça aurait marché avec Bash aussi. Enfin, je ne sais pas, j'ai décidé de faire ça comme ça. Donc, ça nous permet d'obtenir le taux de compression ici de 48,8% ou 49%. Le même taux qu'on avait calculé tantôt. Donc, quelques remarques. Sous Windows, le programme 7-Zip est capable de désarchiver à peu près n'importe quoi, y compris le format .tar.gz qui provient de Linux. Donc, si vous voulez faire une comparaison entre les différents algorithmes, programmes d'archivage, vous avez grosso modo cette science-là, ici, en fait, ces constats-là qu'on peut faire, c'est que pour ce qui est de la vitesse de décompression, gzip est plus rapide que zip, qui est plus rapide que 7-zip, qui est plus rapide que rar, qui est plus rapide que bzip2. Pour ce qui est de la vitesse de compression, gzip est plus rapide que zip, qui est plus rapide que bzip2, qui est plus rapide que 7-zip, qui est plus rapide que rar. Pour ce qui est du ratio de compression, ce qu'on a vu tantôt, 7-zip est meilleur que rar, qui est à peu près équivalent à bzip2, qui est meilleur que gzip, qui est meilleur que zip. Et pour la disponibilité dans Unix, gzip est plus disponible que bzip2, qui est plus disponible que zip, que 7-zip, que rar. Et sous Windows, c'est zip qui est plus disponible que rar, qui est plus disponible que 7-zip, que gzip et bzip2. Donc, en résumé, la commande tar permet de créer avec le commutateur C une archive, de lister son contenu avec le commutateur T, je ne sais pas pourquoi, d'extraire les fichiers avec le commutateur X. Elle peut aussi compresser ou décompresser en même temps en utilisant le commutateur Z. Si vous voulez que votre sortie soit verbeuse, vous utilisez le commutateur V, sinon il n'y a rien qui s'affiche. Et si vous voulez cibler un fichier en particulier, vous utilisez le commutateur -F. Donc les commandes gzip et gunzip ou gunzip permettent de compresser et décompresser des fichiers individuels. Le taux de compression dépend du degré de chaos dans les données puis de l'algorithme de compression qui est utilisé. Compresser un fichier augmente considérablement le chaos des données, si bien qu'il est rarement utile de compresser un fichier déjà compressé. Évidemment, si vous compressez avec zip, qui est un format qui n'est pas très bon pour compresser, ben c'est sûr qu'après ça, vous pourriez dire, ben là, je vais prendre mon 7-zip puis je vais compresser mon zip. Là, ça va marcher parce que zip n'est pas super bon pour compresser. Mais si vous prenez le même algorithme, comprimé deux fois, ça n'a aucun effet intéressant. Le taux effectif de compression, c'est calculé à partir de la taille des fichiers entrant dans l'archive et non à partir de la taille de l'archive elle-même. On parle de Unix.
Et on peut calculer le taux effectif avec la ligne de commande bash. Petit résumé des commandes. Donc ici, on a tar-c ou t ou x avec possibilité d'ajouter le z ou le v avec le f pour cibler une archive en particulier en indiquant les fichiers. Gzip, gunzip, stat pour afficher la taille et le nom des fichiers, 4 fichiers pour concaténer des fichiers, wc fichier pour compter le nombre de lignes, de mots et de caractères dans un fichier. Donc ça, c'est pour les avoir au niveau individuel. 4 fichiers pipe wc, ça permet de compter le nombre de lignes, mots et caractères dans un ensemble de fichiers regroupés ensemble. Et si vous utilisez Python, prêt à faisant un calcul, ça vous permet de calculer n'importe quoi. Alors voilà.